Merci, Madame la Présidente. Collègues, Madame la Première Ministre, samedi à Lyon, une cinquantaine de membres de l'extrême droite néo-nazie ont attaqué une conférence du collectif Palestine 69 après avoir déambulé plus d'une heure dans les rues avec des barres de fer. Je voudrais ici avoir une pensée pour les victimes de cette attaque d'une grande lâcheté. Une des personnes présentes dira au service de police avoir reçu des coups de barres de fer. Elle en ressortira avec 15 jours d'ITT. Au total, 7 blessés. Dans la même soirée, 4 étudiants en école d'ingénieurs ont été ciblés depuis le local identitaire La Traboule. Et une jeune fille a été poursuivie et tabassée par le groupuscule Les Remparts. 3 jours d'ITT. Dès lors, nous avons vu sur des boucles télégrammes publiques les protagonistes de ces raids revendiquer leurs actes. Je voudrais dire ici solennellement notre colère, Madame la Première Ministre. Pendant que vous prépariez la marche avec Madame Le Pen, des militants d'extrême droite s'organisaient pour cibler des personnes âgées et des jeunes. 30 novembre 2022, 6 décembre 2022, 9 mai 2023, 3 courriers des 4 députés NUPES du Rhône à propos d'agressions équivalentes restaient tous sans réponse. Alors, comment 50 militants encagoulés et armés ont pu déambuler près d'une heure dans les rues sans être appréhendés? Ce sont au moins 6 agressions en 3 ans qui ont été rendues publiques, et on ne parle pas des autres. Qu'attendez-vous pour engager des dissolutions des groupuscules Les Remparts et Lyon Populaire? Prenez-vous l'engagement de fermer définitivement les locaux identitaires que sont la Traboule et la Gaugée et de dissoudre leur association de gestion? Agissez, Madame la Première Ministre. Nous n'acceptons pas que nos concitoyens soient attaqués sur la base de leur couleur de peau, du parler de leurs parents ou de leurs idées, de leurs croyances ou de leurs convictions. Merci beaucoup.